Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous de la chaleur biomasse de Fibois Île-de-France. Donc, je suis Nora Afegi, chef de projet amont forestier, et j'ai le plaisir d'animer ce premier rendez-vous, ce premier webinaire sur le bois énergie. Alors, le thème d'aujourd'hui sera le développement des petites et moyennes chaufferies en Île-de-France. C'est donc le premier épisode de notre cycle de webinaires qui reprendra d'autres thèmes que vous pourrez découvrir bientôt. Alors, l'intervention, le webinaire d'aujourd'hui comprend trois intervenantes, un webinaire 100% féminin du coup. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette matinée. N'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions via le petit chat que vous voyez au-dessus de votre écran. Toutes ces questions me seront transmises que je pourrai et je pourrai les poser aux intervenantes. Alors, le webinaire se déroulera de la façon suivante. Les intervenantes dérouleront leur présentation et à la suite de chaque présentation, vous pourrez, ou du moins, elles répondront à vos questions. Bien sûr, vous pourrez nous renvoyer d'autres questions supplémentaires qu'on leur communiquera et auxquelles elles pourront répondre par la suite. Donc, on va commencer par la première étape de ce webinaire de la forêt à la chaufferie, pardon. Donc, on commence en forêt avec Laetitia Poffet de l'ONF qui va nous présenter le combustible, son approvisionnement voilà, en forêt. Allez-y, Laetitia. Bonjour à tous. Alors, je vous affiche la présentation. Donc, je me présente, Laetitia Poffet. Donc, moi, je suis responsable d'une unité territoriale à l'Office national des forêts, à l'agence Île-de-France-Est. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment s'organise la présence de l'ONF sur notre territoire. Donc, je vous ai remis, je ne sais pas si les présentations seront diffusées, mais en préalable, quelques chiffres sur l'ONF en général que je passe rapidement. Vous pourrez y revenir si ces données vous intéressent pour faire un focus sur l'Île-de-France. Donc, là, vous avez les forêts publiques présentes en Île-de-France, en vert les forêts domaniales, en orange les forêts des collectivités. Nous, ONF, on intervient en tant que gestionnaire sur les forêts publiques, que ce soit les forêts de l'État ou les forêts de collectivités. Donc moi, je suis responsable de l'unité territoriale Briboisé-Sénart, que vous situez là à l'est directement de Paris. Je dépends de l'agence départementale Île-de-France-Est basée à Fontainebleau. On a une deuxième agence qui couvre l'ouest francilien. Donc vous voyez que c'est une région où on a quand même pas mal de forêts. 91 000 hectares de forêts gérées en Île-de-France réparties sur ces deux agences. Donc moi, je vais plutôt vous parler de nous. Enfin, j'ai porté un peu ma parole de gestionnaire, vous expliquer un petit peu la gestion qu'on pratique, comment on positionne le bois énergie dans notre gestion et un petit peu les questionnements techniques que ça peut nous poser. Donc déjà, par rapport à la gestion qu'on propose dans ces territoires en Île-de-France, on est dans des zones très urbanisées. Donc la première chose qu'on fait dans ces forêts, c'est accueillir du public. La fonction sociale de ces forêts est très très forte. On propose une gestion multifonctionnelle qui va concilier l'accueil du public avec la production de bois et tout en préservant au mieux les écosystèmes. On est dans des régions très densément urbanisées où ces territoires forestiers sont un petit peu des poumons ou sont vus un peu comme des îlots de nature. Donc un attachement très très fort des personnes à ces lieux. Donc nous, notre gestion a toujours à cœur de concilier ces différents usages, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Par rapport à la gestion qu'on pratique, on a une feuille de route, nous, sur ces territoires, qui sont nos documents de gestion durable, nos aménagements forestiers, qui planifient, nos actions sur 20 ans. Donc, c'est un peu, voilà, c'est ce qui nous guide dans la gestion, au quotidien, ce qui programme notamment les coupes de bois. Par rapport, donc là, petit focus sur les attentes du territoire en Île-de-France. On est sur un territoire qui couvre 2% du territoire national, qui accueille 20% de la population. On a des attentes très très fortes, beaucoup de construction,
de rénovation urbaine en Île-de-France, donc un territoire qui a quand même des attentes en matière de fourniture de bois, que ce soit pour l'énergie ou pour la construction. En plus de ces attentes en termes d'accueil, et une demande par rapport au bois qui est en plein essor, parce qu'on est sur un matériau écologique, renouvelable, et relativement neutre quant aux émissions de carbone. On est sur un territoire où le programme régional de la forêt et du bois, porté par l'État, également le programme forestier régional, prévoit un maintien, voire un accroissement de la production de bois pour répondre aux besoins du territoire. Donc nous, notre gestion s'inscrit aussi dans ces politiques qui veulent donner une place plus importante au bois sur le territoire. Par rapport au bois énergie, donc on parle de bois énergie, ça regroupe différents produits. Faut voir que pour nous, la première source de bois énergie qu'on produit, c'est du bois bûche. Donc là, on fait un petit peu le focus parce que souvent, on pense chaufferie, pellets, etc. La première source d'énergie, c'est quand même du bois bûche qui est après brûlé dans des inserts. Et ce qui va être produit en forêt, c'est la plaquette forestière. Après, on a des granulés bois qui, là, sont plutôt issus de recyclage ou produits par des unités de transformation des scieries qui, nous concernent moins directement en tant que gestionnaire forestier. On est plutôt soit sur du bois bûche, soit sur de la plaquette quand on parle de bois énergie. Quelle est la part, nous, du bois énergie dans les volumes de bois qu'on produit ? Faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on ne pratique pas une sylviculture, une gestion de ces forêts qui a pour but de produire du bois énergie. Notre gestion, elle a avant tout pour but de produire du bois d'œuvre. Mais dans les actions qu'on mène, elle conduit immanquablement à produire des matières connexes qui sont valorisées soit par l'industrie, soit par la filière énergétique. En Île-de-France, là, je vous ai mis quelques chiffres. Alors, c'est des ordres de grandeur. On vend annuellement 226 000 mètres cubes, c'est pas des mètres, c'est des mètres cubes de bois annuellement. Je vous ai mis à peu près les ratios que ça représente l'énergie par rapport au bois d'industrie, au bois d'œuvre. On est sur des forêts en Île-de-France qui sont plutôt issues de taillis sous futaies et qui n'ont pas une allure encore complète de futaies. Donc on produit une part importante de bois d'industrie et de bois de chauffage par rapport à la production de bois d'œuvre qu'on peut avoir. Le but de notre gestion va être dans ces forêts d'optimiser la part de bois d'œuvre. Donc nous, on a toujours à cœur de proposer une gestion qui va avant tout produire du bois d'œuvre, mais on voit qu'aujourd'hui en Île-de-France, on est plutôt sur des forêts qui produisent majoritairement des petits bois et tournés vers l'industrie ou le chauffage. Que je passe à la suite. Donc, comme je vous le disais, nous, notre but, ça va être avant tout une production bois d'œuvre. Quelles sont les opérations qui vont générer ce bois énergie ? Faut voir que pour nous, avoir ces débouchés nous permet de faire certaines opérations ou d'optimiser certaines opérations qui étaient compliquées par le passé, donc notamment les sécurisations de bord de route et de lisière. Ça nous a permis d'envisager de conduire ces opérations, on va dire de les rationaliser et de les conduire à l'échelle de tronçons routiers et plus à l'échelle en pointillé, c'est-à-dire qu'on gérait avant à l'échelle d'une parcelle. Donc la sécurisation, on la faisait sur 100 mètres et puis deux ans après sur 50 mètres, etc. Là, ça nous a permis de rationaliser ces opérations et de les envisager à l'échelle de la route, ce qui répondait à une attente des gestionnaires du domaine routier, qui est quand même pas une petite question en Île-de-France. Ça nous permet également de remettre en gestion des peuplements qui trouvent difficilement du débouché dans l'industrie ou dans une valorisation pour le bois bûche. On sait qu'au niveau du bois bûche, on travaille souvent sur des bois dits durs, du chêne, du charme, ce genre d'essence. Mais on arrive beaucoup moins à valoriser des bois blancs, type bouleau, trempe, tilleul,
Donc, nous, ça nous permet, ces outils-là, de réenvisager la sylviculture dans des peuplements, on va dire, de première phase de succession, majoritairement composés de bois blanc ou dans des taillis qui ne trouvaient pas de débouchés jusque-là. Donc, nous, c'est un outil assez intéressant. Ça nous permet aussi de trouver des débouchés pour des travaux sanitaires, c'est-à-dire qu'on a quand même des questions de plus en plus d'attaques de parasites en forêt. Et avec les évolutions climatiques, on craint de devoir faire face à... Là, on a eu la crise des scolytes dans l'est de la France. Sur l'île de France, on a des problèmes de maladies type l'encre du châtaignier qui génèrent des quantités de bois attaqués par des parasites qui sont importants. Et dans ces crises sanitaires, l'enjeu, c'est souvent de mobiliser rapidement ces bois pour maîtriser, on va dire, les maladies et les attaques. Donc, ça nous donne un débouché qui nous permet de pouvoir gérer ces événements qui, quand ils arrivent, sont assez dommageables pour la forêt. Donc là, je vous ai mis quelques photos illustrant des opérations ce que je disais auparavant, de sécurisation. Donc l'année dernière, on a fait des opérations en bord de National 4, des choses que voilà, on n'arrivait pas trop à faire. Vous voyez à gauche, c'est plutôt des petits bois, des bois blancs qui sont souvent penchés au-dessus du domaine routier, qu'on ne sait pas trop gérer autrement. Donc là, ça nous permet d'envisager ces opérations. On a eu également une opération de préservation du mur d'enceinte du domaine de Grosbois à la demande des propriétaires. C'est un mur qui est classé, qui était entouré de petits taillis. Donc, ça nous a permis de dégager le mur pour leur permettre de faire des travaux et de conserver l'ouvrage dans un bon état de conservation. Vous voyez, après, les bois de plus gros diamètre sont laissés et seront exploités dans un cycle plutôt normal de valorisation classique en bois d'œuvre ou bois d'industrie selon les essences. Voilà, pour vous donner un peu des images de ces linéaires et ce que ça nous permet de faire. Ça, c'est vraiment des opérations où on était un petit peu bloqué. Là, je vous ai remis un petit peu, pour vous montrer un peu la logistique. Nous, ces chantiers-là, ils demandent une certaine logistique en forêt, qui est quelque chose de nouveau. Classiquement, pour du bois d'œuvre, on a plutôt des bûcherons à pied, et après sorti par des débusqueurs et rechargé sur des grumiers. Là, ça nous demande une petite logistique à part. Donc là, on a mis un petit schéma un peu qui vous dit un peu le cycle de production. Donc nous, en forêt, on va avoir la phase d'exploitation, vous voyez là, une phase de stockage qui n'est pas marquée là, transitoire en attendant le broyage et le chargement dans des camions qui vont aller après alimenter des unités de consommation de la plaquette. Je vous mets quelques images. Donc, par rapport à une exploitation classique et manuelle, là, on fait souvent intervenir des engins. Donc, c'est une première chose. Les engins sont, on va dire que nous, par rapport aux précautions qu'on prend sur les sols, on va dire, on sait faire, on fait déjà passer des engins importants pour des coupes classiquement. C'est plutôt après par rapport à l'appréciation du public sur le fait de voir des engins qui avancent vite et qui du coup modifient le paysage rapidement. Après, on stocke. Soit on a des gens qui consomment du bois vert, soit on a une phase de stockage en bord de route. Donc vous voyez, ça peut donner ce genre de piles, soit des piles arbentiers, soit des billons débités en deux mètres ou en 4 mètres. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que nous, ça nous demande de créer des espaces de stockage en forêt pour accueillir ces produits le temps qu'ils soient broyés. C'est des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude d'avoir, notamment quand on stocke des produits arbres entiers, ça demande une certaine place en forêt. Après, on a la transformation, donc ça aussi, là, vous avez une image d'un broyeur. C'est une machine qui est assez imposante et derrière ça vient alimenter un camion à fond mouvant. Donc ça pareil, ça demande une certaine place. Les camions à fond mouvant, c'est des camions qui n'ont pas vraiment l'habitude de rouler en milieu forestier, qui manœuvrent plus difficilement que nos grumiers, nos engins habituels. Donc voilà, nous, ça nous demande une certaine organisation de chantier, de prévoir des circuits. On est sur des forêts qui sont très bien équipées en Île-de-France, donc c'est souvent surmontable.
Mais ça nous demande quand même une certaine gymnastique pour pouvoir organiser ces chantiers dans des conditions acceptables pour tout le monde, à la fois pour les exploitants et après pour c'est des forêts qui accueillent du public. Donc on fait ça avec beaucoup de monde autour de nous. Donc c'est pas anodin, mais on s'en sort. Là, je finis. J'ai essayé de mettre pour nous, gestionnaires forestiers, les avantages et inconvénients de ces chantiers bois énergie et un petit peu ce que ça soulève comme interrogation en tant que gestionnaire. Donc, clairement, pour nous, c'est un débouché qui nous permet aujourd'hui d'envisager des opérations où on était bloqué pour des questions de coûts. Donc, c'est vraiment un outil, on n'a pas une gestion dédiée, on le voit vraiment comme un nouvel outil dans notre boîte à outils qui permet de nous répondre à certaines questions de gestion et notamment qui nous permet de relancer la sylviculture dans certains contextes, c'est-à-dire soit des peuplements pauvres, soit des conversions de taillis sous futaie, donc des peuplements en taillis sous futaie pour ceux qui ne sont pas très familiarisés. C'est des peuplements où on a le taillis, donc c'est beaucoup de petits arbres qui sont issus de CP et au milieu de la futaie, donc là plutôt des arbres de franc-pied avec des belles grumes qu'on peut valoriser en bois d'œuvre. Et dans ces peuplements, on a souvent une première phase où on va produire beaucoup, on va couper un peu de taillis pour apporter de la lumière et permettre du renouvellement. Et donc ça nous permet de gérer ce taillis et de trouver un débouché sur dans des endroits où avant bah, on n'avait plus ce débouché par l'industrie. Ça nous permet quand même d'avoir une valorisation en circuit court. On est de plus en plus interpellé sur que deviennent les bois, sur l'export à l'étranger, etc. Donc là, on est vraiment sur des circuits courts et nous, enfin, les retours qu'on en a sont toujours positifs à partir du moment où la ressource, elle est valorisée en local. Et une alternative aux énergies fossiles, là c'est un petit peu plus loin, mais c'est vraiment la place que prend la forêt dans ces transitions écologiques. Elle est importante et pour nous, voilà, c'est quand même un avantage de. Ça permet aussi de prendre une place par la production d'énergie. Après, dans les inconvénients ou alors les questionnements que ça pose, plutôt que dire les inconvénients, ça nous demande ce que je vous ai montré, une organisation logistique qui est un petit peu complexe. Ce qui n'est pas insurmontable, mais qu'on fait dans un milieu qui accueille beaucoup de public, qui comprend des fois pas la machine, qui a peur de voir des gros engins, des broyeurs, etc. Ça peut interpeller le public. Et qui nous demande, nous, des équipements qui sont adaptés. Donc voilà, et d'avoir l'accès des camions dans ces forêts urbaines et périurbaines n'est pas toujours évident. Je terminerai sur la question de l'acceptabilité du grand public. C'est une pratique qui pose question. Alors, soit elle est très bien acceptée, soit elle interroge quand même sur la mécanisation, etc. Souvent, on a quand même un public qui est assez sensible à voir venir des gros engins, des camions qui chargent des pellettes. Donc, c'est pas forcément toujours bien compris. Donc, je pense que c'est important de bien expliquer et puis aussi d'être transparent sur où vont ces bois, à quoi ils servent. C'est vraiment des questions importantes sur lesquelles on est interpellé régulièrement. Et voilà, que l'office porte aujourd'hui parce qu'on est en forêt et qu'on est les interlocuteurs, les promeneurs, les premiers à être interpellés sur la question, mais c'est une question qui s'adresse finalement à l'ensemble de cette filière bois énergie. Et je pense qu'on doit avoir en tête à tous les échelons. Voilà, je suis allée un peu vite, mais ça va laisser le temps pour les questions. Donc, merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Laetitia, pour cette présentation très, très concise. J'espère que ça a pu éclairer un petit peu le mystère du bois énergie pour les participants qui visionnent ce webinaire. Alors, j'avais peut-être deux petites questions pour
pour étayer un petit peu votre présentation, revenir déjà sur le petit point que vous aviez présenté dans les étapes de mobilisation du bois énergie, la phase de stockage. Vous aviez évoqué un stockage de ce bois. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de temps de stockage? Je veux comparer par exemple au temps de stockage des bûches qui doivent vraiment être stockées sur un long moment pour vraiment être sèches. Est-ce que pour le bois énergie, notamment les plaquettes qui alimentent les chaufferies, c'est le même temps de stockage? Ça va dépendre des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a soit des utilisateurs qui acceptent une partie de bois vert, auquel cas le temps de stockage est réduit. On a après certains clients qui ne consomment que du bois sec et souvent le séchage où il a lieu en partie en forêt. Et donc du coup, à ce moment-là, on a des temps qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, oui, ce qui rejoint un peu des temps de stockage comparables à ce qu'on peut avoir sur du bois bûche. Pour vous donner un exemple, le chantier que vous avez vu en bord de N4, il a été exploité l'été. Souvent, les exploitations, comme on fait intervenir des engins, etc., elles ont lieu l'été ou début de l'automne quand on a les sols qui sont portants, qui sont les plus à même de recevoir ces engins. Et ça ne correspond pas au pic de consommation des unités qui ont plutôt besoin d'absorber de la matière l'hiver. Donc souvent, on exploite l'été, on débarde, on met bord de route, et après, c'est broyé au moment de la période hivernale. Donc là, par exemple, en bord de N4, on a abattu les bois en août, juillet-août, et là, ils vont être broyés dans le courant de l'hiver, ils ont été débardés. Et ils vont être broyés dans le courant de l'hiver. Ils ne sont pas encore broyés. Donc, on est presque 6 mois après, quoi. D'accord, merci. Merci pour cette précision. Je vais peut-être faire une deuxième petite question pour qu'on puisse enchaîner assez rapidement. Concernant vos clients, en fait, sur le bois énergie, là, ce webinaire est vraiment destiné aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage qui voudraient ouvrir des chaufferies, des petites chaufferies sur leur territoire. Ah tiens, j'ai une autre question qui est revenue. Bon, je vais en poser une troisième après. Donc, plutôt savoir un peu la part de vos clients chez ONF pour le bois énergie, que ce soit des particuliers ou bien des professionnels. Alors, sur le bois énergie, tout ce qui est bois bûche, ça va être vendu à des chauffagistes souvent. On s'adresse rarement aux consommateurs final de cette énergie. C'est-à-dire, on passe par des intermédiaires. Pour le bois bûche, on va passer par des chauffagistes qui viennent exploiter en forêt et après qui débitent en bûche et qui livrent les clients. Nous, on va pas s'adresser directement à la personne qui brûle les bûches dans sa cheminée. Pour le bois énergie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on vend à des prestataires qui après alimentent les chaufferies. Donc, c'est des gens qui vont assurer l'exploitation, le transport jusqu'aux unités de transformation. Après, nous, on met en place avec ces partenaires, on peut mettre en place des contrats d'approvisionnement sur plusieurs années. On tend vraiment vers ça, sur ce genre de ressources. C'est des clients qui ont besoin d'un peu de lisibilité et de pouvoir assurer des approvisionnements dans le temps. Donc, on développe de plus en plus des contrats d'approvisionnement avec les clients principaux pour assurer une certaine quantité de bois dans le temps, ce qui est pas, voilà. Nous, ça nous permet d'avoir de la lisibilité sur nos clients et les débouchés. Et eux, de leur côté, ça les garantit d'avoir un certain volume annuel et d'assurer vis-à-vis de leurs clients un certain rythme d'approvisionnement. D'accord, merci. Alors, je vais finir par une petite double question, si c'est possible de répondre un petit peu rapidement, même si ce sont des très bonnes questions. Alors, on a donc un auditeur qui nous demande s'il y a un bilan carbone qui est fait sur la transformation du bois énergie, puisque notamment les broyeurs, les camions utilisent des énergies fossiles pour se déplacer. Et la deuxième question, c'est... Elle concerne plutôt la biodiversité. Est-ce que le stockage en forêt, donc du coup des grumes, du bois, crée des refuges pour la faune? Est-ce que c'est étudié, par exemple? Est-ce que vous avez de la saisonnalité sur cet enjeu? C'est une question pas très évidente, je pense. Par rapport à du refuge dans les piles de bois, c'est ça qui est... C'est ça, je pense que c'est ça, oui. Ok. Alors, la deuxième question, déjà, on n'a pas d'études sur la question...
Un avis personnel, je pense que c'est trop temporaire pour susciter un intérêt, ou ça va être vraiment un intérêt très fugace pour la faune, ou pour la faune, ce genre d'abri. Et voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'abris ailleurs en forêt pour que la pile de bois soit vraiment très attractive pour une faune spécifique. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été étudié. Donc voilà, c'est un avis personnel et j'ai pas plus que cet avis-là. Sur la deuxième, c'était le bilan carbone de la production de bois énergie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors ça, j'imagine que l'ADEME aura plus de chiffres que moi et des choses peut-être plus précises à fournir sur la question. Donc ce sera peut-être à garder en mémoire pour l'intervention de l'ADEME sur la question. Il faut effectivement le bois énergie, c'est souvent une énergie, on dit ça, il faut brûler beaucoup de gasoil et d'énergie fossile pour produire cette énergie par rapport à du gaz notamment qui demande quasiment aucune énergie fossile pour être produite. Après se pose la question de la substitution. Je pense qu'il faut voir ça dans son ensemble. C'est-à-dire que pour produire ce bois énergie, on a aussi produit du bois d'œuvre. On a aussi produit d'autres produits et je pense que c'est la gestion dans son entier qui doit être évaluée et c'est là aussi pour ça que nous on pousse vers une optimisation et une maximisation de la part de bois d'œuvre parce qu'après en termes de substitution c'est là où on a les effets je pense carbone les plus intéressants sur le stockage etc. en termes d'atténuation. Mais ça, je laisse l'ADEME répondre sur des chiffres. Je pense qu'ils seront plus précis que moi sur la question. Oui, bah, notamment, je sais que alors I4C a fait une étude récemment sur le bilan carbone de la filière forêt-bois en France. Donc peut-être qu'il y aura quelques réponses dans ce document-là, en plus de l'intervention de l'ADEME. Faut pas faire le focus que bois énergie en forêt, on produit du bois énergie. Effectivement, si on prend au kilowattheure d'énergie, ça a demandé de mobiliser un tracteur, etc. Faut voir que ça à éviter quand même d'aller chercher du pétrole ou d'autres énergies qui sont pas renouvelables. Et la question, faut pas la prendre que sur la fraction énergie, mais sur l'ensemble de la gestion, je pense. Super. Et bon, alors je suis désolée, j'ai une toute petite dernière question, peut-être. Alors j'ai quelqu'un du CVE, alors Elodie Payenne, qui me répond qu'il y a une étude en cours sur l'analyse du cycle de vie du bois énergie par l'ADEME, donc voilà, qui sera publiée fin 2020, début 2021, voilà, pour répondre à votre question. Et donc j'ai une toute petite dernière question, mais je pense qu'elle va être très très rapide à répondre. C'est on vous demande si vous prenez en compte les changements climatiques, comme par exemple la sécheresse, enfin les sécheresses répétées dans vos modes de gestion de forêt, mais je suppose que c'est le cas. Alors, changement climatique, aujourd'hui, on est plutôt à surveiller très très fort. En Ile-de-France, nos pratiques, elles ont évolué récemment, surtout pour répondre à la question de l'acceptabilité de la gestion et la question paysagère. Et c'est vraiment, nous, la première question qui nous est posée aujourd'hui. Donc là on a basculé vers une gestion en futaie irrégulière ou gestion proche de la nature ou à couvert continu, il y a plusieurs vocables pour éviter de passer par ce qu'on appelle communément les coupes rases mais qui sont plutôt des coupes de régénération dans notre jargon. Donc ces phases où on va renouveler sur une surface de 5-10 hectares, passer d'une génération d'arbres adultes mûrs à une génération de jeunes arbres. Donc là, on va être sur des sylvicultures plus extensives. Ça, c'est, on va dire, une première évolution de la gestion qui n'est pas du tout dictée par le changement climatique, hein, qui est plutôt guidée par les attentes de la société en matière de paysage et d'accueil dans ces milieux. Par rapport au changement climatique, concrètement, en Ile-de-France, aujourd'hui, les premiers signes qu'on voit, c'est sur le châtaignier, beaucoup, où on a l'encre du châtaignier. C'est plutôt des maladies, on va dire, qui vont prendre de l'ampleur. Donc, en Ile-de-France, on va être concerné pour le châtaignier par l'encre du châtaignier et pour le frêne par la calarose, qui font mourir ces arbres. Et on sait qu'on n'a pas de solution pour empêcher ces maladies de se développer. On est assez démunis. L'effet des sécheresses, pour le moment, ces sécheresses, c'est sûr, quand on a ces maladies-là, ça a tendance à accélérer ces phénomènes qui étaient présents avant, mais ça leur donne une autre ampleur, on va dire.
Parce que les arbres affaiblis, bah, c'est comme un humain. Si on est déjà pas très en forme, avec une maladie et qu'arrive un coup dur, une canicule ou quoi que ce soit, on le vit beaucoup moins bien que si on est en bonne santé. Donc voilà, ces maladies, elles prennent une autre proportion, on va dire, avec les sécheresses répétées. Et l'effet de la sécheresse seule, aujourd'hui, on est plutôt à surveiller nos forêts, notamment nos chênes. On sait que les chênes, ils mettent quelques années à réagir. Donc là, avec les épisodes de sécheresse qu'on a eus, on a fait une surveillance, une notation de l'état sanitaire de nos chênes. Puis on suit ça de près. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'impact à très grande ampleur sur les forêts, sur mon secteur, par exemple. Alors, merci beaucoup, Laetitia, pour toutes ces réponses. Alors, on a encore de nombreuses questions, mais on va passer à la prochaine intervenante. On note, bien sûr, toutes vos questions. On fera un mail réponse hein, pour vous répondre à tous. Merci, en tout cas, d'être aussi actif. Et puis, voilà. Alors, on va enchaîner, du coup, avec Catherine Chou de l'ADEME Île-de-France, donc, qui va vous présenter un petit peu plus en détail le développement de ces chaufferies, donc, des petites et des moyennes chaufferies biomasse en Île-de-France, et puis les dispositifs d'aide. Alors, Catherine, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nora. Oui, donc, je suis Catherine Chou, chargée de mission chaleur renouvelable à l'ADEME Île-de-France. Et donc, ma présentation, pour thématique de vous présenter les dispositifs pour le développement des petites et moyennes chaufferies biomasse en Île-de-France. Un court état des lieux, sur la filière énergie biomasse en Île-de-France. Donc, en 2018, c'est plus de 80 chaufferies biomasse qui sont en fonctionnement et qui produisent donc annuellement une énergie produite cumulée de plus de 1100 gigawattheures ENR et R, soit une puissance d'environ 300 mégawatts, toujours puissance cumulée. Donc, une énergie qui se substitue directement au gaz naturel, au fioul ou au charbon. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la majorité de ces chaufferies biomasse trouvent en zone périurbaine et grosso modo, plus en fait on est vers l'urbain, plus les chaufferies biomasse, elles sont de plus grande taille. Les petites et moyennes chaufferies se retrouvent soit plutôt vraiment dans la en zone rurale, ou alors quand elles sont en zone périurbaine ou urbaine, c'est pour donc alimenter des acs, par exemple, des petits îlots. Alors, il existe différents dispositifs donc de soutien pour le développement de ces petites et moyennes chaufferies biomasse en Île-de-France. Donc trois dispositifs selon donc la taille de la chaufferie. Je commence par la droite vu que ça nous intéresse moins. Pour les très grosses chaufferies biomasse supérieures à 12 000 MWh ENR et R, donc on a l'appel à projet BCIAT, un appel à projet annuel et national. Entre 1200 MWh et 12 000 MWh ENR et R par an, on a donc le fonds chaleur qui est donc des appels à projets thématiques. Donc c'est plusieurs, en fait c'est vraiment un appel à projet pour tous les types de chaleur renouvelable, dont donc la production, enfin l'aide aux investissements des chaufferies biomasse. Et enfin donc pour les chaufferies biomasse qui produisent donc annuellement moins de 1200 MWh ENR et R, et ce qui va donc plus nous intéresser aujourd'hui. Nous avons donc d'une part quelque chose qui est assez traditionnel, qui sont les aides aux chaufferies biomasse de la région, et ce qui va faire un petit peu plus l'objet de ma présentation, ce sont les contrats de développement des ENR et R, qui est un nouveau dispositif par l'ADEME depuis 2019, en tout cas en région Île-de-France. Je vous présente quand même rapidement le dispositif de la région. Alors, c'est donc une aide au financement, donc à l'investissement pour des chaufferies biomasse inférieures à 1200 MWh par an. Toute personne morale peut en bénéficier, comme des collectivités, des institutions ou des entreprises. Et le financement peut s'élever jusqu'à 50% des dépenses éligibles avec une subvention maximale de 500 000 euros. Vous avez en bas de slide donc l'adresse mail donc de contact pour déposer un dossier de candidature afin d'espérer obtenir une subvention. Et donc ce dossier de candidature se retrouve sur le site internet de la région Île-de-France.
Donc, concernant l'ADEME, nous avons donc ces nouveaux contrats de développement des ENR thermiques. C'est assez nouveau en fait par l'esprit, parce que ce qu'on va financer par ces contrats, ce sont un ensemble d'installations de production de mégawattheures ENR et R, et ce quel que soit le type d'énergie. Donc c'est vraiment une grappe d'installations qu'on va pouvoir financer en une seule demande de subvention sur un périmètre défini. Donc ce périmètre défini, il va donner la nature de ce contrat. Donc, on a deux types de contrats. Le contrat patrimonial, qui est donc le périmètre défini, c'est un ensemble de patrimoine dont le porteur de projet est le gestionnaire ou le propriétaire. C'est donc un bailleur, par exemple, qui a pas mal de patrimoine alimenté en gaz naturel et qui va vouloir donc changer son alimentation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire en production en chaleur renouvelable. Ça peut aussi être donc un territoire, ce périmètre défini, qui est couvert par un porteur de projet. Et donc là, ça va plutôt s'adresser à des collectivités territoriales qui veulent amener, changer le mode d'alimentation de chaleur sur son territoire, et qui va donc promouvoir les énergies renouvelables. Donc, qui peut en bénéficier pour le contrat patrimonial, ça va vraiment à toute personne morale qui est propriétaire ou gestionnaire d'un patrimoine, bailleur, collectivité, entreprise, association. Et pour un contrat territorial, ça va être donc plus souvent des collectivités territoriales donc qui couvrent un territoire. Concrètement, comment ça se déroule un contrat? Je prends l'exemple par exemple d'un bailleur social, d'un bailleur tout simplement, excusez-moi. Il a donc du patrimoine et il va répondre à un appel à manifestation d'intérêt par l'ADEME. Et de là va donc commencer la phase de préfiguration, c'est-à-dire que l'ADEME va pouvoir lui financer une étude de préfiguration qui va servir à faire un état des lieux, à définir les gisements potentiels qu'il y a à proximité de son patrimoine, pour établir à la fin de cette phase une liste de projets potentiels. Ça va par exemple être, j'ai cinq immeubles. Pour le premier immeuble, vous pouvez utiliser des pompes à chaleur sur eau usée. Pour le deuxième immeuble, une chaufferie biomasse. Pour le troisième immeuble, une liste de ces projets. Une fois que cette phase est terminée, il va revenir vers l'ADEME et nous on va évaluer si cette liste paraît pertinente au regard des critères d'éligibilité des contrats que je vais vous présenter juste après. Si elle est pertinente, alors on va signer un contrat où donc le porteur de projet s'engage sur une production, une quantité de mégawattheures ENR et R et un nombre d'installations. Et là va commencer une phase de 3 ans où le porteur de projet va pouvoir faire des études financées par l'ADEME, financées en partie par l'ADEME. Et si ces études donc de faisabilité sont pertinentes et prouvent qu'il y a une pertinence à faire ces installations, alors on va aussi pouvoir aider les investissements de ces différentes installations. Dans le cadre d'un contrat territorial, on va aussi pouvoir donner une aide à l'animation, qui va être donnée si le bilan, donc à la fin du contrat, il est satisfaisant, c'est-à-dire qu'à la fin du contrat, on va comparer donc ce qui a vraiment été réalisé par rapport aux engagements du porteur de projet, et si ça rentre dans les clous, alors on verse cette aide à l'animation. Donc, quels sont les critères d'éligibilité de ces contrats? Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on a terminé la phase de préfiguration, il faut que la liste, elle contienne au moins 3 installations pour un contrat patrimonial et 10 installations pour un contrat territorial. Il faut que les installations respectent le seuil minimal fonds chaleur, c'est-à-dire que si je veux faire de la biomasse dans mon contrat, alors il faut que la somme de l'énergie produite par l'ensemble des installations biomasse que je vais vouloir installer soit supérieure à 1200 MWh par an. Et donc, on a plusieurs seuils selon le type de chaleur renouvelable. Il faut ensuite que chaque installation
répondent aux critères d'éligibilité du fonds chaleur. Et donc, je vous ai mis à droite les critères d'éligibilité des chaufferies biomasse de manière très concise, mais qui peuvent se résumer, on va dire, en trois points. Donc, il faut respecter la logique ENR choix, c'est-à-dire qu'il faut avoir justifié qu'aucun autre type de chaleur renouvelable n'était possible pour répondre à ces besoins. Il faut donc un approvisionnement donc durable et garanti, avec par exemple des taux minimums le bois qui rentre dans la chaufferie et qui va servir de combustible, et aussi des critères donc de qualité de l'air avec des taux maximums en NOx et en particules à respecter. Donc, l'ensemble de ces critères d'éligibilité peut être retrouvé sur le site internet, et j'ai aussi mis donc l'ensemble de cette liste en annexe à ce PowerPoint. Donc, ces contrats s'adressent vraiment à un porteur de projet qui peut faire plusieurs installations sur son patrimoine ou sur son territoire. Mais comment est-ce que ça se passe si moi, je n'ai qu'un seul projet de chaufferie biomasse, ou si j'ai plusieurs projets mais qui ne répondent pas au seuil minimum fonds chaleur, ou j'en ai pas assez pour faire un contrat territorial ou patrimonial? Alors, vous pouvez très bien inscrire votre projet dans un contrat territorial qui est en cours sur votre territoire, s'il en existe un. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui serez porteur du contrat, mais vous pourrez quand même inscrire et faire donc financer votre installation, votre chaufferie biomasse, en l'inscrivant dans un contrat en cours. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus à vous préoccuper donc des objectifs qui sont sur la gauche, mais uniquement des critères d'éligibilité pour votre installation. Et d'ailleurs, ces critères d'éligibilité sont les mêmes que ceux du dispositif de la région. Pour savoir s'il y a un contrat en cours sur votre territoire et que votre installation de chaufferie biomasse peut donc être rattachée à un contrat en cours, alors je vous invite fortement à me contacter. Je vous ai mis mon adresse mail. Comme ça, je pourrai voir avec vous si c'est possible, en fait, de rattacher votre projet à un contrat territorial en cours. Dans ce cas-là, s'il y a vraiment un contrat territorial en cours, qui pourra donc recevoir votre contrat, alors c'est vous qui obtiendrez bien sûr les financements, donc les aides aux études et les aides aux investissements pour votre installation de chaufferie biomasse. Les aides, quels sont les montants d'aide qui peuvent être espérés? Alors, pour les études préalables au projet, nous subventionnons entre 50 à 70% du coût de l'étude, plafonné à 100 000 euros. Et pour les investissements, donc il y a un calcul de l'aide qui doit être fait. Et donc, je vous ai mis le tableau donc pour les installations de chaufferie biomasse juste en bas, et qui donc vous permettent de savoir quelle est l'aide, en tout cas maximale, que vous pourrez obtenir pour votre installation. Aujourd'hui, en fait, nous avons, comme je vous l'avais dit, c'est un dispositif qui est nouveau, qui est sorti donc en début 2020 en Ile-de-France. Et donc, nous en sommes aujourd'hui au lancement de la deuxième édition pour les contrats patrimoniaux et territoriaux. Je vous ai mis donc les liens donc aux appels à manifestation d'intérêt qui sont ouverts jusqu'au 21 janvier 2021. La candidature, c'est vraiment juste une manifestation d'intérêt. Elle consiste donc à un dossier de présentation donc du porteur de projet, expliquer qui vous êtes pour un contrat patrimonial. Voilà, donner tout ce que vous savez sur votre patrimoine aujourd'hui, quels sont l'objectif d'un contrat, et aussi donc d'une autre part, c'est un dossier donc de demande d'aide pour l'étude de préfiguration, qui est donc la première phase de ce contrat. Et donc ça consiste donc en un volet administratif, financier pour calculer le coût de l'étude, et une présentation assez simple de ce que va être l'étude. Voilà pour moi. Je suis désolée, je pense que je suis allée assez vite. Je vous ai mis aussi, encore une fois, mon contact. N'hésitez pas à me contacter par mail.
Merci beaucoup Catherine pour ta présentation qui a été parfaite et très concise également. Alors pour l'instant j'ai une question, alors une double question que je vais te poser. Alors je te la lis, hein, telle quelle. Donc l'offre pour l'approvisionnement en bois en Île-de-France pour ce type de chaufferie répondra-t-elle à la demande si le développement des chaufferies biomasse est massif pour ce genre de projet? Et la deuxième question, quel retour d'expérience a-t-on sur le fonctionnement de ce type de petite chaufferie, notamment peut-être de panne ou de rentabilité économique? Alors, pour la première question, ce qu'il faut bien savoir, en fait, je pense que je peux revenir un petit peu sur la logique du NR Choix. Il faut savoir que pour nous, la biomasse, en fait, on a fait ce qu'on appelle un ordre de mérite des différentes énergies renouvelables à utiliser, qui part un peu du bon sens, mais il faut déjà faire de la sobriété énergétique, puis de l'efficacité énergétique et utiliser donc des énergies qui sont vraiment non délocalisables, déjà existantes, jusqu'à des énergies qui sont délocalisables à créer comme la chaufferie bio, enfin comme les chaufferies biomasse, parce que la biomasse, enfin voilà, on peut la transporter, elle est totalement délocalisable. On va beaucoup s'attacher en fait à cette logique UNR choix, c'est-à-dire que l'objectif il n'est pas de créer plus de chaufferies biomasse, surtout si ben à côté en fait on peut utiliser d'autres types d'énergie. Donc on est vraiment vigilant, ben voilà, à ne pas faire en sorte qu'il y ait un excédent d'installation de chaufferies biomasse et que on en arrive à ne plus avoir assez d'approvisionnement. On est vraiment dans cette logique-là à vraiment mettre des installations de chaufferies biomasse uniquement là où il n'y a rien d'autre qui peut être fait. Et ben de sorte à garantir du coup l'approvisionnement, à ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de demandes par rapport à ce qu'on peut fournir. Et en plus, donc dans les critères d'éligibilité, hein, lorsque je dis approvisionnement donc durable et garanti, on s'y attache. Il y a aussi on me demande lors d'un dossier de candidature de montrer qu'il n'y a pas de mise en concurrence, de montrer que voilà l'approvisionnement il est à un périmètre défini en dessous de voilà un seuil de kilomètres à respecter. Donc il y a quand même pas mal de règles que l'on fait pour éviter justement le fait d'avoir une trop grosse demande. Et j'ai oublié la deuxième question. Pas de souci, je vais te la répéter. Donc la deuxième question qui concernait plutôt le retour d'expérience sur ce type de chaufferie. Alors du coup on aura une vision avec Aude juste après, mais peut-être si vous avez au niveau de l'ADEME des retours sur ces petites chaufferies, ces petites installations, sur éventuellement des pannes ou des rentabilités économiques à un niveau plus large du coup. On a en fait des retours d'expérience qui là c'est vrai que j'ai pas en tête, mais il existe par exemple des fiches que l'on produit donc sur toutes les petites chaufferies que l'on peut subventionner et aider, qui sont retrouvables sur le site internet et qui peuvent par exemple attester un petit peu du point de vue du porteur de projet, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème et qu'est-ce que ça a servi finalement cette installation. Sinon en fait on met aussi en place donc des bases de données de petites chaufferies voilà faites par des constructeurs qui voilà ont été attestées de leurs compétences etc et qui peuvent voilà pour nous qui sont assez fiables donc sans panne ou du moins avec le moins de panne possible, et donc c'est une base de données qui est transmettable à des porteurs de projets. Merci beaucoup Catherine. Alors il nous semble que nous n'avons pas d'autres questions. Alors je pense qu'on peut continuer sur ce voyage de la forêt à la chaufferie et donc accueillir notre dernière intervenante, donc Aude Raguido du Grand Paris Sud.
qui va nous exposer plutôt le côté effectivement retour d'expérience sur l'exploitation de ce genre de chaufferie et qui va pouvoir nous donner un petit peu son avis sur la question. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je vous rappelle effectivement que les présentations seront disponibles sur notre site internet, tout comme la vidéo qui sera disponible en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous fera un retour par mail bien sûr. Aude, je vous laisse la parole du coup. Bonjour à tous, donc Aude Ravido, excusez-moi. Donc Aude Ravido, je suis responsable de la mission énergie à Grand Paris Sud, et donc je vais vous présenter un projet de création d'un réseau de chaleur sur une opération d'aménagement à Bondouf, dans un quartier qui s'appelle le Grand Parc. Quelques mots sur Grand Paris Sud. Donc, on est une communauté d'agglomération qui est située au sud de l'île de France, qui a cheval sur deux départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne. On a une forte volonté d'accélérer la transition énergétique sur notre territoire. Et donc, pour ça, on a adopté en fin d'année dernière notre plan climat et énergie territoriale, qui fixe un certain nombre d'objectifs, dont un objectif de multiplier par 5 la production d'énergie renouvelable et de récupération d'ici 2030 par rapport au niveau de 2013, et également que les consommations de chaleur du territoire soient assurées à plus de 30% par des énergies renouvelables. Pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs, on a mis en place deux schémas directeurs, un sur les réseaux de chaleur et froid sur l'ensemble du territoire, et un autre pour identifier où est-ce qu'on pourrait produire des installations de l'énergie sur notre territoire. Alors là, j'ai deux petits exemples de projets qui sont déjà en cours sur notre territoire. Sur le réseau de chaleur qui est déployé à Évry-Courcouronnes, où là on valorise la chaleur issue du traitement des déchets de Vers-le-Grand, et on vient de lancer l'opération de création de géothermie profonde sur le lac du Togger. Et une deuxième opération sur une station d'épuration, Exona Évry, où là on vient valoriser le biogaz qui est produit par la digestion des boues pour réinjecter le biogaz dans le réseau GRDF et également de récupérer la chaleur des effluents pour améliorer le fonctionnement du process. Alors, le réseau de chaleur de Bondouf, donc pour vous situer où est-ce qu'il est implanté, donc là c'est la carte du territoire de Grand Paris Sud, vous avez Évry-Courcouronnes, Corbeil et Grigny, donc le Bondouf est situé à l'ouest, et donc l'opération du Grand Parc avec un petit focus ici, donc en orange c'est le quartier du Grand Parc, donc on est à l'ouest de la ville. Sur cette opération d'aménagement, il y avait une forte volonté politique que ce soit vraiment un quartier durable. Donc on a agi sur plusieurs aspects. Déjà une certification HQE aménagement, donc ça serait notamment toute question de nuisance, de chantier propre, etc. Une question sur la gestion alternative des eaux pluviales, où on est au maximum sur une infiltration à la parcelle. Également des sujets sur la biodiversité, où on a une grosse part d'espace vert sur le projet. Et également tout le volet approvisionnement énergétique, où du coup, là, c'est l'objectif, c'était d'avoir un maximum d'énergie renouvelable pour assurer les besoins de chauffage et de chauffe militaire des différents bâtiments construits. On est sur une ZAC qui est en déploiement progressif entre 2015 et 2027, ça glisse un petit peu plus vers 2028. On prévoit de déployer 150 000 m² de logements. Donc sur le volet énergie renouvelable, donc on a identifié le réseau de chaleur comme étant vraiment un outil pour massifier le déploiement des énergies renouvelables dans cette ZAC. La démarche, elle a mis un petit peu de temps à mûrir et du coup on est passé à côté de la première tranche de construction de la ZAC qui du coup malheureusement est alimentée par des chaudières gaz en pied d'immeuble. Mais on n'écarte pas de les raccorder ultérieurement quand leurs chaudières seront en fin de vie. Et donc, du coup, il y a eu la décision de créer un réseau de chaleur à partir de la deuxième tranche de construction à ZAC et jusqu'à la fin de l'opération d'aménagement où, du coup, on va aller raccorder tous les bâtiments à ce réseau de chaleur. Donc, un réseau principalement ENR. Donc, les quelques éléments clés sur ce réseau. Donc, on a décidé de créer le réseau Millennium 16, donc un réseau public, où on a fait le choix d'avoir une gestion en régie. Donc, c'est directement Grand Paris Sud qui est maître d'ouvrage de l'opération. Ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise du prix de la chaleur, mais également d'assurer les performances du réseau.
Et aussi un point non négligeable, c'est qu'avec une gestion au régie, c'est plus rapide de créer un réseau, parce qu'on avait une grosse contrainte calendaire sur cette opération pour raccorder au plus tôt les bâtiments de la ZAC, puisque la ZAC était déjà enclenchée. Sur le mode de production de chaleur, donc on a étudié les différentes possibilités suivant la méthode ENR choix de l'ADEME. Et donc du coup, il y a la possibilité de récupération de chaleur qui a été étudiée, mais il n'y avait pas de potentiel à proximité. On a également regardé la géothermie superficielle, mais au final, au droit de notre opération d'aménagement, on avait un potentiel assez faible et également un risque hydrogéologique avec des... On n'était pas sûr de pouvoir réinjecter l'eau de la nappe qu'on aurait captée, donc s'il y avait un risque sur le volet exploitation. Et donc du coup, la biomasse s'est avérée l'énergie la plus compatible par rapport aux caractéristiques de notre opération et également du coup la seule ENR mobilisable. Donc du coup, comme je disais juste avant, on avait des délais très contraints pour déployer l'opération, puisqu'on avait un tout petit peu plus d'un an pour desservir les nouveaux bâtiments de la ZAC. Donc du coup, le temps qu'on construit la chaufferie centrale, on a mis en place des chaufferies provisoires en temporaire, avec une volonté que dès les premiers mégawattheures desservis, que ce soit une chaleur verte. Et donc du coup, on a fait le choix que ces chaufferies en conteneur comportent une chaudière bois. Donc c'est une chaudière bois à pellets qui a fonctionné, donc qui a couvert la majorité de la chaleur fournie en bois. Et donc ce réseau, il était mis en service en octobre 2017. Donc on a relevé le challenge. Ce réseau, il est déployé au fur et à mesure de la construction de la ZAC, avec les premiers travaux en 2016, et donc ça va aller jusqu'en 2028. On raccorde l'ensemble des bâtiments de la ZAC, les logements, les équipements publics et également les bâtiments de bureaux. Donc toute la chaleur est produite depuis une chaufferie centrale bois-gaz qui est réalisée en deux temps pour pouvoir s'adapter à la montée en charge progressive de l'opération. Et également un objectif clé depuis le début, c'est qu'on ait plus de 80% d'énergie renouvelable qui soit assurée par ce réseau. On est certes en gestion par une régie sur ce réseau, mais on a recours à des marchés avec des prestataires, dont un marché global de performance. Là, du coup, on a confié à un prestataire la conception, réalisation, puis ensuite l'exploitation de la chauffe centrale et des extensions de réseau. Donc, quelques chiffres clés sur ce réseau. Donc, pour l'instant, on est un peu plus de 2 km de longueur, où on dessert 460 logements. Et donc, à terme, d'ici 2028, on aurait 4 km de réseau. Et donc, près de 3000 équivalents logements raccordés. Alors, une petite carte pour vous voyez à peu près le réseau. Donc, au nord-est, donc là, vous avez le terrain avec la chaufferie centrale. Donc, en rouge, c'est tous les ouvrages qui ont été déployés en anticipé pour aller desservir la première tranche de construction de la ZAC. Et ensuite, il y a un phasage des extensions de réseau au fur et à mesure des tranches de la ZAC. Donc, par couleur, c'est chaque tranche de ZAC. Donc, voilà, au fur et à mesure, on va aller étendre le réseau. Sur la partie réseau, donc on a eu la volonté que ce soit vraiment un réseau le plus performant possible. Donc sur les réseaux de distribution, on a choisi d'avoir des réseaux avec une isolation renforcée, donc une épaisseur d'isolant plus élevée que des canalisations standards. Un système également de détection de fuite pour pouvoir réagir le plus vite possible. On fonctionne sur un réseau en basse température. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre, soit faire accepter par les constructeurs. On est sur un régime de 70 degrés départ et 40 degrés retour. Pour pouvoir assurer une compatibilité des bâtiments avec le fonctionnement de notre réseau, on a mis en place un dispositif d'accompagnement des constructeurs pour s'assurer que les installations secondaires des bâtiments soient bien conçues par rapport à notre réseau. Également, on a une incitation sur le mode d'émetteur de chauffage, sur également les volumes de stockage de chaude sanitaire. Et quand tout notre travail d'accompagnement ne suffit pas à optimiser l'installation, on met en place un système de frais supplémentaires si jamais ce n'est pas compatible avec nos attentes. Et on a eu là c'est un retour d'expérience sur les premiers bâtiments qui ont été livrés, où en final les bâtiments consomment beaucoup plus que c'était prévu, beaucoup plus par rapport à la réglementation thermique, et du coup on se retrouve avec des consommations trop élevées, des consommations également chauffées trop élevées, mais également une facture pour l'habitant qui est plus élevée que ce qui avait été prévu. Donc là, on réfléchit à des démarches alternatives pour s'assurer la performance des bâtiments d'après,
futures de tranche de consommation de la DAC sur une démarche du commissionnement. Donc, pour vraiment vérifier que les objectifs énergétiques fixés sont bien mis en œuvre et qu'on va bien avoir le résultat à la fin quand le bâtiment sera livré. Donc, c'est vraiment une démarche très importante et là qui, donc, on est en train de mettre en place. En tout cas, on est au début, mais voilà, il y a une forte volonté sur ce sujet. Alors ça, c'est le bâtiment de la chaufferie. Donc là, vous avez un plan masse, et là, c'est la vue depuis la voirie. Donc vous avez un bâtiment là qui fait un peu 460 m². Vous avez donc le process bois qui est distinct du process gaz, dans deux bâtiments distincts mais qui communiquent. Et avec tout un système de voirie pour la livraison du bois. Donc les camions rentrent d'un côté, font le tour, livrent leur bois dans un silo qui est enterré, et ensuite ressortent de la parcelle. Ça a été conçu pour qu'il y ait le minimum de manœuvres de camions pour limiter les nuisances pour les bâtiments à proximité pour que la livraison puisse se faire le plus vite possible. Et également, on est sur un terrain qui est en limite de ZAC. Donc, en fait, à côté, on est sur des bâtiments industriels et logistiques où, au final, les trajets des camions ne vont pas perturber les habitants. Et on a fait le choix, évidemment, que ce soit des livraisons en journée pour limiter les nuisances. Voilà, on est sur un bâtiment qui est dimensionné dès le début sur les besoins internes de la DAC, et on conçoit le process en deux temps, donc comme je disais tout à l'heure, pour la montée en charge progressive de la DAC. Donc, dans la première phase de construction de la chaufferie, on a déjà construit toute la partie bâtiment et tout l'aménagement de la parcelle avec toute la voirie d'accès, notamment tout l'aménagement paysager. Au niveau du process, donc pour la partie bois, on a mis en place une première chaudière bois de 770 kW avec tout un système d'économiseur qui vient récupérer de la chaleur sur les fumées. On a également un système de stockage de chaleur dans des ballons hydroaccumulation où là, en fait, l'objectif, c'est d'aller réduire l'usage des chaudières gaz et également d'optimiser le fonctionnement des chaudières bois. On a également un système de traitement des fumées renforcé avec un système de dépoussiérage par des multicyclones et également une deuxième étape de traitement avec un filtre à manches. Et après, tout un système de valorisation des cendres sous foyer vers une filière de compostage. Au niveau des chaudières gaz, on a également mis en place deux chaudières gaz de 1300 kW. Et donc, pour faire fonctionner l'ensemble, on a tout un dispositif de supervision qui permet de piloter à distance à la fois la chaufferie centrale, mais également les sous-stations. C'est vraiment pour optimiser le fonctionnement du réseau et pour pouvoir le faire à distance. Et également pour les abonnés qui puissent avoir accès à un petit espace client sur le fonctionnement de leur station. Cette chaufferie a été mise en service en janvier 2020, donc assez récemment. On a eu un gros aléa de chantier sur ces travaux, puisqu'en fait le silo enterré, quand on a voulu le faire, en fait, on s'est retrouvé en difficulté avec la présence d'une nappe affleurante qui nous a empêché d'aller creuser aussi profond que ce qu'on avait prévu. Donc du coup, on a dû arrêter le chantier près d'un an, le temps de trouver une solution alternative. Et donc au final, on a rehaussé le nivellement du terrain pour ne pas trop contraindre le volume du silo et donc l'autonomie de stockage du bois. Même si du coup, avec grâce à ce nivellement, on a réussi à atteindre 3 à 4 jours d'autonomie en termes de la ZAC, au final plutôt pas mal. Mais si jamais on se rend compte qu'il n'y a pas assez de stockage de bois, on a une possibilité d'avoir un stockage en extérieur, en fond de parcelle. Voilà, la deuxième phase de réalisation de la chaufferie. Donc là, elle vient d'être lancée. Là, les travaux viennent de commencer en novembre. L'objectif, c'est d'aller mettre en place une deuxième chaudière bois pour aller renforcer le taux d'ONR du réseau et pour répondre du coup à la progression de construction de la DAC. Donc, on a une chaudière bois de 920 kW qui va être ajoutée avec le même dispositif de récupération de chaleur sur les fumées et puis de traitement des fumées. Et également une deuxième chaudière gaz de 1950 kW, le tout qui devrait être mis en service en janvier 2021. On a dû changer le process qui était prévu pour cette deuxième phase de la chaufferie parce qu'il y a eu une évolution de la réglementation sur le plan de protection de l'atmosphère en Ile-de-France, qui a renforcé les seuils sur les émissions de polluants dès qu'on dépasse 1 MW. Et donc, du coup, en fait, on s'est retrouvé avec du coup, ces seuils à respecter, mais en face, tous les constructeurs qu'on a sollicités n'étaient pas en capacité de nous proposer des chaudières qui répondent à ces exigences. Donc, du coup, on a été contraint de réduire la puissance de notre chaudière bois pour pouvoir, du coup, répondre à ces exigences.
Donc, au lieu d'une chaudière bois qui était prévue à 1280 kW, on a mis en place donc, du coup, celle à 920. Et du coup, pour compenser cette baisse de chaudière bois, on a augmenté la chaudière gaz, qui est donc du coup de 1950 au lieu de 1300, sachant qu'en plus, on aurait eu, comme les besoins de la ZAC sont plus importants que ce qu'on avait prévu, on aurait eu besoin d'une chaudière bois plus grosse. Voilà. Donc du coup, ça fait qu'on a dû revoir à la baisse nos objectifs de taux de NR. Donc au lieu des 80 fixés, on serait à 67% au terme de la ZAC. Voilà. Après, on n'écarte pas d'autres possibilités de diversification du mix énergétique. Et pourquoi pas une solution solaire thermique qui pourrait venir en complément. Ça, c'est à l'étude. Voilà. Puis un dernier focus sur l'approvisionnement en bois. Donc, l'approvisionnement, il est assuré par la plateforme, la centrale d'achat d'Engie, qui est un prestataire pour le marché global, la Sauvenne, où du coup, on a un bois qui est 100% de la plaquette forestière et avec un objectif que ce bois provienne, soit à 50% certifié PEFC pour s'assurer que ce soit du bois avec une gestion durable. On a également un critère sur le rayon d'approvisionnement qui doit être maximum de 100 km entre la chaufferie et le point de production. Voilà, ça c'est un engagement qui a été intégré dans le marché avec Engie. Et donc nous, notre rôle aussi, c'est d'aller vérifier vraiment la qualité du bois qui est livré par Engie, notamment son humidité, parce que c'est des critères qui sont très importants pour s'assurer d'une bonne combustion du bois. Et donc, du coup, d'avoir des émissions de polluants assez faibles. Mais au final, Engie joue plutôt le jeu sur la qualité du bois, parce qu'en fait, comme on est sur un marché global de performance, ils se sont engagés sur les émissions de polluants, et donc, du coup, d'eux-mêmes, sont vigilants sur la qualité du bois. Par contre, on a un gros sujet sur la provenance du bois, et donc là, on réfléchit sur une possibilité que Grand Paris Sud mettre en place une filière d'approvisionnement en bois pour aller directement assurer les besoins de la chaufferie. Et également, ça nous permettrait d'avoir une meilleure maîtrise du prix de la chaleur pour les usagers de ce réseau. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Aude, pour cette présentation. Alors, on a quelques petites questions que je vais vous soumettre rapidement, car on a un petit peu dépassé le temps. Alors, une première question qui revient un peu sur la planification de l'approvisionnement. Donc, la personne souhaiterait savoir comment est-ce que vous avez planifié cet approvisionnement en parlant du rythme de la livraison, de l'impact sur les riverains, le dimensionnement aussi du stockage. Voilà, comment est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Alors, on est sur c'est des camions de 90 mètres cubes qui nous livrent le bois. Là, actuellement, on est sur une livraison par semaine. Et au terme de la ZAC, on serait sur 3 livraisons par semaine. Donc, ce qui nous permet de limiter les nuisances pour les riverains. Et justement, avec tout ce système de tout le parcours des camions qui fait qu'on n'est pas sur des zones résidentielles, limite du coup les nuisances pour les riverains. D'accord. Alors, j'ai encore quelques questions qui arrivent. On va essayer d'y répondre assez rapidement. Au niveau des parties prenantes de la ZAC, selon qui a été le plus difficile à convaincre pour l'utilisation de cette énergie, donc la biomasse, et est-ce que vous allez refaire, je pense que vous y avez répondu, mais reconduire du coup cette expérience pour d'autres opérations, pardon? Oui, alors c'est vrai que c'était la première fois qu'on crée un réseau de chaleur sur une ZAC, sur notre territoire. Donc c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile, parce que du coup, ce n'était pas prévu dans le bilan de la ZAC, de créer ce réseau. Donc du coup, il y a eu forcément des discussions avec l'aménageur. Également, ça modifiait aussi la conception qui était prévue. Donc il y avait pas mal d'échanges avec l'aménageur. Et c'est aussi pour ça que du coup, ça a mis un peu de temps à ce qu'on déploie ce réseau et qu'on est passé à côté de la première tranche de construction de la ZAC. Mais du coup, là, nous, on mène le travail sur l'ensemble du territoire pour sensibiliser les aménageurs et pour que, du coup, l'approvisionnement énergétique soit vraiment étudié très en amont quand on déploie une opération d'aménagement, que vraiment on se pose la question de est-ce que les critères sont remplis pour déployer un réseau de chaleur? Et si jamais c'est pas le cas, comment est-ce qu'on intègre différemment les énergies renouvelables sur l'opération? Et donc, au final, ça, c'est plutôt bien intégré.
On progresse. D'accord. Alors, j'ai d'autres petites questions auxquelles on va répondre. Et une fois encore, toutes les questions que vous nous posez, on les garde. On vous répondra bien sûr par email. On fera un retour par mail. Donc, pour finir, deux petites questions. Pourquoi seulement 50% de bois certifié PEFC et pas 100%? Et comment est-ce que vous avez fait pour écrire le critère d'approvisionnement dans le marché public? Alors, pour le PEFC, en fait, on était sur dans le marché global, on a du coup donné nos objectifs et ensuite c'est les candidats qui ont proposé des solutions en face. Sur le PEFC, nous on aurait bien aimé que ce soit plus élevé. Après 50%, on est déjà sur un seuil qui est supérieur, je crois que c'est 22% en Île-de-France sur le minimum. Donc déjà avec 50, on est sur un chiffre intéressant. Après, je suis d'accord avec vous que ce serait plus pertinent qu'on soit plus élevé. Après, il faut trouver des partenaires. Des prestataires qui veuillent bien s'engager sur des seuils plus élevés. Parce que déjà 50% pour qu'on arrive à le mettre en œuvre, c'est pas évident. Et ensuite, comment est-ce qu'on le met dans le marché pour le rayon d'approvisionnement? Nous, on avait demandé que les critères de l'ADEME sur la proximité de la ressource soient bien intégrés. Et au final, les candidats ont proposé de même le rayon de 200 km et du coup donc le candidat a retenu le rayon de 100 km du coup devient un critère engageant sur la proximité de son bois et dans le contrat avec la plateforme de l'approvisionnement en bois, ce rayon de 100 km est bien intégré. D'accord, super. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Écoutez, on va terminer ce webinaire. Je voudrais remercier du coup toutes les intervenantes de ce matin pour leur présentation, pour leurs réponses. Encore une fois, donc n'hésitez pas, je m'adresse à vous, chers auditeurs, à continuer à poser vos questions, on les prendra toutes et on vous répondra par mail. Les présentations et la vidéo seront disponibles sur notre site internet. Et merci en tout cas d'avoir assisté à ce premier rendez-vous de la chaleur biomasse en Île-de-France, organisé par FIBO Île-de-France. Et on vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Au revoir.